donc salut les amis, c'est Moléou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo assez particulière, ça change un petit peu des autres actualités. On va parler d'actualité, on va parler de Pokémon. Les amis, si vous n'avez pas encore remarqué, ou si vous l'avez remarqué, vous avez vu que dans l'onglet short sur YouTube, il m'arrive de temps à autre de faire des vidéos ouverture de booster. Ça m'arrive, c'est un plaisir d'en faire quelques-unes. Bref, aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité sur Pokémon, mais surtout des prochaines extensions. Une vidéo assez rapide, une vidéo news, on va aller à l'essentiel. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu si ce type de contenu peut vous intéresser ou pas. Ça peut arriver que ça intéresse pas forcément tout le monde. On va juste parler rapidement des deux extensions qui arrivent. Première extension les amis, ce sera l'extension Flamme Obsidienne. Donc à l'effigie, il y a un Dracaufeu. Après, vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais j'essaie de dire. Donc la date, ça sera prévu le 11 août 2023, donc cette année. Qui est du contenu du coffret de l'extension. Donc l'extension Écarlate et Violet, donc du coup ça continue cette extension-là. Flamme Obsidienne introduira des Pokémon ex-Terra Crystal. Donc ça, le Terra Crystal, c'est par rapport aux nouvelles générations, au niveau de Écarlate et Pokémon Violet. Après, je n'en dis pas plus, en termes des prix, c'est grosso modo la même chose. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur. 15 Pokémon ex, dont 6 Pokémon ex Terra Crystal, 12 Pokémon illustration rare. Nous aurons 6 Pokémon et cartes supporters en rare du coup. Ok, 12 Pokémon ex et 3 cartes texturées dorées hyper rares. Donc 3 cartes gold. Ok, c'est plutôt raisonnable. Je n'ai pas le détail de toutes les cartes. Par contre, j'ai le détail des coffrets. Donc grosso modo, c'est des coffrets élite. Après, les prix, c'est grosso modo, c'est comme d'hab. Malheureusement, les prix, et voilà. En termes de TB, là, vous pouvez voir juste derrière, dans le fond, j'ai quelques petites boîtes par-ci par-là. Bon, donc voilà, bref, c'est tout ce que j'ai. Pour les boosters, on peut voir, bon, c'est clairement, c'est assez sympa, nous avons Dracaufeu, Tyranocif, et c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette extension, entre les boosters et le coffret, à voir s'il y a d'autres infos qui s'actualisent au fur et à mesure. Et voilà, pour Flamme Obsidienne, on n'est pas trop hype, après, il y a mieux, donc on va y revenir juste après. Deuxième extension, les amis, c'est une extension que j'attends pas spécialement plus que ça. Je suis quand même un peu plus hypé, j'ai déjà vu le contenu, c'est déjà beaucoup plus fourni. Flamme Obsidienne, simplement. Donc, cette extension, l'extension Écarlate et Violet, 151 annoncée. Donc, juste par le chiffre, on peut supposer que c'est la première génération. Donc, juste ça, c'est assez cool. Donc, on va voir ça en détail. Donc, déjà, rien que la date, c'est prévu pour le 22 septembre 2023. Donc, clairement, c'est pas pour tout de suite, c'est dans 3 mois. Peut-être qu'à l'avenir, je sortirai des shorts. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Ça fait extrêmement plaisir, d'une part, pour moi, pour le référencement, ça m'aide beaucoup. Et ça montre que, bah, forcément, le sujet vous intéresse plus ou moins. Donc, c'est plutôt cool. Cette extension continue la suite, donc du coup, d'Écarlate et Violet. Donc, 151 mettra en vedette, du coup, les 151 premiers Pokémon de la région de Kanto, réinventés, du coup, dans la région de Paldea. Donc, c'est plutôt cool, c'est un bonus. Alors, en termes du contenu, nous avons 12 Pokémon X, 16 cartes rares, 7 cartes spéciales rares, donc du coup, Pokémon et supporters y compris. Nous avons 16 cartes Pokémon X, pareil, j'ai pas le récapitulatif, donc 16 cartes Pokémon ultra rares, entièrement illustrées et texturées. Ça, c'est plutôt cool. Et enfin, nous aurons 3 cartes dorées, donc 3 cartes gold. Déjà plus intéressant. Alors, Arcanin, du coup, Dracolos, Ectoplasma. Nous avons du Electek, un Sécateur, Kadabra, j'ai déjà la Kazam, Maconeur, et enfin Magneton. Non, ça continue. Miaou, c'est Etignon, Ramolos, ok. Ensuite, nous avons des coffrets. Ah, c'est plutôt cool ça. Les coffrets, ok. C'est les 3 starters. Il y a Carapuce, Bulbizarre, et Salamèche. Enfin, nous aurons des grosses boîtes. Les coffrets ultra premium, ça par contre, 120 balles. Il y a 16 boosters à l'intérieur. Je sais pas si ça équivaut à un display, ça. Dites-moi dans l'espace commentaire. Je suis un peu nouveau. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si jamais je dis des bêtises. Ça peut arriver, personne n'est parfait. Donc, je vous laisse faire dans l'espace commentaire. Donc, un petit new à l'honneur. Bon, c'est plutôt cool. 120 balles, ça c'est moins cool. Après, nous avons d'autres divers coffrets variés. Nous, ce qui nous intéresse principalement et ensuite, en soi, essentiellement, ce serait plus les displays, mais sans plus. Le coffret Elite Ronflex, ok. Voilà. Là, cette display en septembre, elle sera super intéressante. On verra si on peut en ouvrir quelques-unes. Ça se fera peut-être pas en vidéo, mais surtout en short. Donc, n'hésitez pas à checker. Bref, les amis, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si cette vidéo vous a plu. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Donc, je vous invite à aller checker ça par vous-même, hein, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et nous, du coup, on se dit à très vite pour une très prochaine vidéo. Ciao.